Monsieur le maire de Sainte-Croix de Quintillargues, alors aujourd'hui, premier salon qui est organisé sur ce thème-là à Sainte-Croix. Alors comment vous, commune, vous percevez des événements de ce style ? Tout simplement, c'est une première, effectivement, qui sera certainement améliorée, puisque le but, c'est qu'on le reconduise. En tous les cas, moi, je voulais vous remercier pour l'initiative, parce qu'on est dans un monde qui est bouleversé, ne serait-ce de la transition écologique, on en parle depuis des années et des années. Mais je dirais que la transition écologique, ce n'est pas seulement une nécessité, c'est une opportunité qu'on doit saisir maintenant, puisqu'il faut repenser notre manière de vivre, de consommer et aussi comment produire. Donc c'est important et je crois que on s'y attelle tous depuis des années, hein, on n'a qu'à le voir ici et par ce que vous avez organisé, ne serait-ce que tout ce qui est compostage, tout ce qu'on met en œuvre, nous la communauté de communes, hein, puisque c'est la communauté de communes qui a la compétence, pour changer nos manières, je dirais, tout simplement de vivre, parce qu'on est obligé, hein, on a vraiment pas le choix. Mais moi, je dois dire que les habitants, en tous les cas, de notre intercommunalité, mais aussi de notre commune, surtout, font de gros efforts sur tout ce qui est déchets. Il faut le souligner. Nous sommes une des communautés, les communes, la plus respective de tout ça. Hein. Et tout ça, on le doit à nos habitants. On le doit à nos habitants, vous le voyez, nos poubelles vertes, il n'y a pratiquement plus rien, puisqu'on est en train d'envisager de faire un seul passage et pas deux, ce qui va faire des économies importantes pour pouvoir mettre en œuvre d'autres moyens. Et les poubelles jaunes, eh bien, c'est celles qui, maintenant, relèvent le plus. Et vous l'avez vu ici aujourd'hui, pas mal d'habitants viennent chercher des 240 litres, puisqu'on n'aura plus maintenant la possibilité d'avoir des 120 litres. C'est très amusant d'ailleurs, hein, tout le monde qui passe avec sa poubelle pour lâcher. Et le composteur en même temps. Et le composteur, hein, donc, puisque les composteurs, on va en mettre trois ici, c'est-à-dire vous allez en avoir un aux écoles qui lui pourra recevoir, puisque vous avez vu que sur les composteurs, on ne peut pas tout mettre. Hein. Ça va être une obligation en janvier 2024, mais on ne peut pas tout mettre. Alors par contre, à l'école, on pourra tout mettre. Même les viandes, tout peut se mettre. Et après, on en aura deux. Un à côté de l'aire de jeu et un autre au boulodrome. Parce que le but, c'est d'avoir les composteurs collectifs. C'est pour ceux qui ne peuvent pas avoir de l'individuel. Donc c'est par rapport au centre de la commune. Alors vous avez vu les scènes des enfants, c'est l'école primaire qui s'est investie avec 4 classes sur 5 qui ont fait des dessins. Alors je trouve moi que c'est quand même très encourageant quand on voit les dessins qu'ont fait ces enfants et les commentaires qu'ils font, on sent quand même que la génération future, elle est complètement là-dedans et elle a complètement réalisé qu'il faut réagir. Tout à fait, on le voit par la pertinence. De toute manière, c'est vrai que les enfants percutent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a l'éducation derrière. Je crois que les parents sont sensibilisés. Les enseignants aussi le sensibilisent à l'école. Hein. Quand on voit, j'ai fait le tour là, de tout ce que vous avez là, on est vraiment pas surpris, je dirais, mais pour des jeunes de cet âge-là, on est vraiment, ils ont des idées. Et puis, de toute manière, ils vont marcher avec ça, comme certains avec l'informatique, hein, où c'était le début, eh bien, eux, ils vont vivre avec ça puisqu'ils seront obligés hein, de pouvoir évoluer aussi comme nous, on le souhaite. Alors, sur la commune, il y a d'autres actions. On l'a vu avec la crise énergétique, là. Il y a d'autres actions qui sont mises en place pour faire des économies d'énergie. Ah ben oui, sur la commune, on a été... c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais pensé le faire sur les locaux techniques qu'on a à côté. On a pas fini, il y avait toute la signalétique et tout, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire, mais on aurait aimé le faire aujourd'hui, mais on aura l'occasion de le faire, je pense, l'année prochaine. On a été très vertueux, hein. C'est vrai que même pas mal d'habitants de la commune ne le savent pas. Nous avons de l'autoconsommation en photovoltaïque que vous ne voyez pas. Nous avons toute la récupération d'eau avec 50 mètres cubes d'eau que nous récupérons des toitures pour arroser l'été. Et puis après, effectivement, tout ce qu'on peut faire, alors je ne vais pas parler de l'éclairage public, hein. L'éclairage public, c'est la note divisée, j'ai eu les chiffres pas plus tard qu'hier, on a fait une analyse, on est à 49% d'économie sur l'éclairage public, hein, donc vous voyez que c'est énorme au prix où est l'électricité maintenant. Donc on essaye tous de notre côté, comme je vous le disais, de
participer, et c'est aussi le rôle d'une municipalité, hein, de donner l'exemple et de participer. Et puis bon, ne serait-ce que les panneaux photovoltaïques, tout ce que vous avez sur la commune. Hein. Donc on a la chance d'avoir du soleil dans notre région et dans nos communes, et il faut surtout à pouvoir en profiter, quoi. Alors, est-ce que je peux vous faire une suggestion ? Ben, dites-moi. Comment accélérer la transition énergétique ? Tout d'abord, faisons un état des lieux. Le dernier rapport du GIEC rappelle la nécessité d'agir, vite et collectivement, pour limiter les effets du changement climatique. Pour cela, nous devons changer de modèle et amorcer une transition énergétique. Vous parliez des récupérateurs d'eau. Je me disais que la communauté de communes pourrait faire aussi, comme elle fait pour les poubelles, fournir à la population des récupérateurs d'eau à des tarifs préférentiels ou à des choses comme ça, en les achetant en gros ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut être entendu, une suggestion comme ça ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi pas ? En tous les cas, bon, moi, je travaille pas mal sur les déchets, puisqu'on a lundi encore une autre réunion, notamment pour tout ce qui est, tout ce qui est végétaux. Puisque les gens aussi, là, bon, on a des pavillons, hein, donc c'est coupe de haies et tout ça. Donc ça nous perturbe toutes les déchetteries. On a 7 déchetteries, ça nous les perturbe. On est en train de voir pour travailler et de faire donc un centre pour amener tout ce qui est végétaux et pouvoir faire du broyat. Voilà. Donc après, il y aura le récupérateur. Et voilà, pourquoi pas, non, c'est une bonne idée. Hein, c'est vrai que bon, nous les élus, on a des idées, mais quand ça remonte de l'autre côté, pourquoi pas, ça pourrait faire partie. Mais on pourrait, si l'Interco ne le fait pas, mais on pourrait même au sein de nos communes aussi, peut-être s'associer plusieurs communes pour le faire. Mais c'est une question que, en tous les cas, je poserai à l'Interco. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Alors, et si nous, citoyens, prenions les choses en main pour agir concrètement et accélérer la transition énergétique.